bawukira bantu bakabafwa bakabu mutazo zamu peki batako indele maluma tabuka moko matabuka meka ndenya na sekunti ndele tambula ntweki bakungana kwa mbongo na tete kwa anime e après samu mwini bantu ba bavansi nimpashi ale mbo baumba bayirikira kwa menu bune yazi tipila na tata nzambi ngano kokani lumuta uti parce que ba ta baruva kwenda pa mepeno il faut la saba samu bantu bata mona mpashi ni peto meka ndina militaire kwa kata toka bantu ba militaire ko nous sommes un peuple civil soulevé. Et c'est pour l'intérêt aussi de la démocratie que nous sommes levés. Parce que c'est le préambule de notre constitution de 92 qui nous donnait droit, effectivement, de nous lever. Au cas où un quelconque pouvoir pouvait s'exercer sur nous d'une manière tyrannique. Et ce n'était pas une invention de ma part. Et ce n'est pas moi qui est allé demander à tous ces jeunes-là que voilà, parce que j'ai beaucoup d'argent, venez, moi, je veux vous recruter. S'il faut parler de notre résistance, parce que Baka rébellion Batakayo. Nous ne sommes pas une rébellion. Rébellion, ni bon bénéfice, mbongo c'est Naou, parce que ambition yenaou mou kwesta conquérir le pouvoir. Mbobata soumba na mata. Koko bate kamo. Mbobata loua na bon mercenaire. Mboba kouisa, moukwe. Kouisa moutou koutimfumu. Ka beto katouena ba rebelle ko. Nous sommes des résistants. Et vous tous savez que notre pays, le Congo, avait opté pour un régime de démocratie pluraliste depuis la conférence souveraine et depuis aussi l'élection de la constitution du 15 mars 1992. Et Bouna, la constitution yo ba congolais ba vota yo. Et c'était aussi pour l'intérêt de la République. Mais puisque quand vous avez une norme, vous avez mis combien de temps? Vous avez voté en 92. Ni vous avez voté la constitution. Ni vous avez voté un acte fondamental. Il y a que ça régit une transition, il y a ça fixé. Une transition flexible de 3 ans. Flexible, ça veut dire que si vous avez un petit matahouti, nous avons 2 bouts. Flexible, ça veut dire que nous avons un petit peu. Mais flexible ne veut pas dire une élastique. Donc c'est-à-dire, vous n'avez qu'une seule timfumu. Avant 3 ans, il y a eu des conditions d'ascension. S'il n'était pas embêté, donc ça veut dire que vous avez la sa légitimité timfumu chan. Avant Mondayi na yawa, le 29 août 1998, quand c'est tenu à Mioni Beni Kwatu Yiri qui pour les gens dans le sud, quoi par soulèvement populaire, soulèvement yo. Yo ici dit que Nati Lumbuchauti Tabamu Samutwe. Kaka yena kunchi. Kampe muntu moshikwa wa bakawo musamu. Kameno akona bakawo. Maintenant, vous pouvez voir aussi, je suis à la tête du Sénère. Sénère un peu kameno akona fonda yo. Mais c'est l'ensemble de tous les citoyens qui étaient oppressés. Dr. Lantikani. Mwakasa Zulabeto. Il faut taïri kajimfuka. Un organe politique, et c'est cet organe-là que nous avons dénommé le Conseil national de la résistance. C'est l'organe politique. Bouna, Bobrinwana sur le terrain, Boutatala, Baninja, Bakokoy, Kahani, Tasselokwankumumoshi, Nibutatayonkumbu, les forces d'autodéfense de la résistance. Bouna, Kukomonoba Fukanana, même Kanabakoko. Qu'il fallait regarder même la représentativité et la délégation. Mais, regardez, en face, il y a Foul et il y a Fosobo. La population, il y a le sud, mais il y a pour ça élire. J'ai été élu à la tête du Conseil national de la résistance. Mais je ne me suis pas autoproclamé. Bouna, ça se trouve qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand il y a une élection, il y a la paix. Vous touchez la paix. Quand il y a un référendum, c'est-à-dire le référendum, quand il y a un référendum, il y a un référendum. Quand il y a un référendum, il y a un référendum.
Namukte organiser élection dans un soni. Kunga na besu kaka tina yilika. Mais, bilbe lu sebe sebe kuchela ku kana bao. Bune lu mbe kuchela ku Brazzaville. Yini conséquence. Ya mina meba yilika ku na tala chimia toma kwa kunga lu mucha uchika tukutula ku kana ga. Buna. Samu ya mingi miteolo. Mencha nulu tele mbila peno beni. Parce que, beno population ni beno le victime. Ya samu wa u. Lu fwetu wa zaba. Kufutuwa mwana mpebuna buutai gila mana. Nchangu mena lutele mbila. Nchi, ifo la barana. Kungu menene mingu lutama kwete. Tantu miniandu kwa usitu wonde sa. Tantu miniandu usitu yoke samangata. Tantu miniandu usisabu wa webu. Kalor kota mwana tala. Demokrasi ka tantu miyako wa sayo ya mfonte. Au contraire, menos c'est un sacrifice que j'ai accepté. Attendant. Vous êtes sûr que Bobo Bé, Nabé Kumbashi, Bobo Kouisa, Baban Soni, Bobo Kouisa Kounzaba. Angati Kabo Kouisa Kounzaba. Pour preuve, mon délégation, quoi, Yi, Yi, Jiri. Tamarus Mambenga, ministre Kérim Kouré, mon gouvernement, Yo, Yo, Yagina. Yani Bobo, Kata Salako. Amen Yani, Nessi délégation, Ganakani, Doni Moutensi. Jamaloukoué à Joké de politique. Ta collègue, Lampé Nibo Kalouté. Eh. Mais la politique, nous croyons que vous montez la foi, vous montez la côte à ma boloko. Sachez que si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. Wakata. Vous n'avez pas de la vie. Mais il y a lancement d'état à ma sagaoura. Quand vous avez le loi à ta la force publique qui représente une partie dans le conflit, quand c'est ça maintenant à télé, vous pouvez l'en débat là-bas, vous pouvez pas bon. Kweba bonge mata mungulu. Talaka ani, nina nipokuna neka mitamaku talaku. Mene musongela kwa kimbangi, amesoma beno, population. Paske beno bulu takanchi, tantumi kwa saka entretenir mushimu. Mani matam, mama teni mama nene mabanuani na mushimu. Kata la ndu kishimu gawa, tamena mafoku. La peyanzo lolo nchikani. Una. Maintenant, je prends encore une fois de plus la communauté internationale à témoin. Madame Matatokoga, Anna Boutet, Boba Bongamo, Gato, c'était seulement pour se réarmer. Bah, je foutais tout le monde. Bah, je foutais tout Kouboula. Pour prétexter que non, c'est une simple opération de police. Car la police, vraiment, a un hélico de guerre du Bakanan. Mon mari est à mon bel coup, là, pour qu'il prenne la tifou, la mindou, le coup, la tifou, le londo. T'as tout mis le coup la kéri. Bakuna sina la kazi mko kuntombe. Njaka ncheche makaku. Mais je suis un congolais. Et maintenant ça m'emmène à Yiri. Maintenant mon tel bobu. La paye yituta ma sabwa ubu ya ba ya buteleka. Talent ya mungungu kwa. Kabu ba kompe. Kabu ba ko. Mes preuves c'est nani. Muni lutangira zombe. Nous avons mis tout le monde dans le document. Nous avons mis tout le monde dans 2002. À l'exemple, il y a un peu de temps que nous avons mis en place. Vous avez mis en place, rescapé Pégase. Pas 38 heures. Vous avez mis la force publique, nous avons mis en place la population qui massacre. Mais nous avons mis en place ça. Car nous avons mis en place tout le monde. Parce que nous avons mis en place la population et après la chirurgie. Mais ça, c'est des crimes odieux. Alors, quand on fait ce que tu vas révéler, mais quand on fait ce que tu connais, il y a des gens. Narakani? Ouna. Même si le gouvernement veut se réclamer l'État, les Bounzabri ou que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne par le suffrage universel. Le peuple ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Et s'il donne, il ne peut pas donner aussi sans réserve. Donc, on peut conclure que le peuple est la souveraine loi. Donc, la souveraineté, il y a l'État, le peuple y en a. En mon cas, c'est l'ainsi. C'est tout le bataille, pas ou par tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Bon, si, pas ou pour le peuple, mais si vous êtes décimé peuple, d'après les documents, je tout à ma tanga, qu'il faut les pousser à la mort lente.
à rester indéfiniment dans les forêts et pour qu'il meure petit, c'est-à-dire à petit feu. Bon, mine de semia tout isabi. Allons, faut attendre. Mais non, facilité à mona. Quelques individus vont s'arrêter sa mounio. Est-ce que bon avant Sony, ça m'a fait quoi un peu comme nordiste? Vous êtes sûr que le nordiste va caca, ça va mon pachico? Donc, Beto, quand on a contre mon tuco, mais pouvoir y amener la boîte, quand tu t'amènes, il y a ce loco. Donc, ni tout tel et vous, vous déclarez, yo, vous le mot tout ou nous cas. Quand la décision, il faut que tu fasses un peu. Mais tu es là, quand tu es là, tu es là. Quand tu es là, tu es là. Politique, il y a pas de il y a pas de caca. Il y a un peu 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 de mais le copain est tamboulé là. T'as fait ce bon sonny, pas congolais, quand tu te l'as comme un samouaou. Ah, je ne sais pas si tu es bien. Quand le bandan est ici, tu as fait un peu de bacao. Bouna, tu es le bon de mon roi, n'est-ce pas? Qui n'avait pas agi effectivement avec prudence. Oui, on s'était fixé pour le matin. Ce serait à 10h. Si tu peux nous loger, c'est pas grave. Bon, vous savez, c'est vous qui avez détruit tout. Et moi, je dors où? Je ne suis pas un Congolais. Si je dors dehors, s'il faut passer une nuit, c'est ça que vous allez aussi dormir dehors. À part, effectivement, qui est là, ici présent. Donc, nous attendons les équipes, c'est-à-dire la partie CNR, la partie gouvernementale, il faut des gens compétents pour travailler, pour regarder la démarche, la faisabilité. 27 jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes un grand nombre de jeunes, près de 50 000, 250 seulement dans la force publique à être recrutés. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, non. Nous devrons nous asseoir pour regarder le quota. L'autre fois, c'est le colonel Ombéré qui était venu. Pour sécuriser les anciennes zones de conflit et les assises du dialogue, j'avais exigé un recrutement spécial qui n'est pas un recrutement de type national. J'avais demandé un quota de 1500. Et j'avais obtenu 1000. Je détiens encore l'ordre d'appel avec moi. Alors regardez, si j'avais obtenu 1000, parce que je me disais que nous irons au dialogue national sans exclusif. Et au dialogue, nous allons encore regarder le chapitre du regroupement. Mais puisque le dialogue s'était déjà fait d'une manière unilatérale, il faudrait qu'on regarde avec le gouvernement combien nous allons obtenir à être recrutés dans la force publique. Donc, toutes ces questions-là seront vues par les mandataires du chef de l'État. Et ceux que moi aussi je veux présenter, nous allons travailler. Et le communiqué final, vous allez signer, nous aussi nous allons signer, les témoins aussi vont signer. Et en ce moment-là, techniquement, le PNUD va maintenant descendre pour faire son travail. Mais tant qu'on ne s'accordera pas, sachez que, donc, c'est comme si, bon, vous qui êtes une partie, vous êtes venu me demander de me rendre. Donc, c'est comme si c'est dans un grand couloir que vous, demanderez de sortir. Mais je sais une chose, que nous avons réhabilité l'accord. Nous avons renoué notre contrat qui avait été bafoué. Donc, il ne faudrait pas que ça soit aussi pour longtemps.
Nous voulons que demain, que les équipes reviennent et que nous puissions travailler et pour faire de manière que les choses aillent vite. J'en ai terminé. Va amener la copie hein, à Brazzaville, saisir et après dissoudre. Il va amener la copie. Ce geste en donnant symboliquement une pièce, je ne connais pas les noms. C'est pour dire que tu n'as jamais été opposé au ramassage des armes. C'est pour dire que tu es engagé, que tu veux absolument que la paix revienne et tu fais ce geste qui est là. Pour tenir compte de ce que nous avons connu avant, c'est-à-dire les armes qui ont été ramassées, qui se sont retrouvées dans les mains d'autres qui étaient vos adversaires. Monsieur Bandelier de Renavant, en tant que PNUD, sera celui chez qui les armes iront. Mais comme nous avons décidé de prendre une précaution, à savoir, nous avons des témoins, mais également nous aurons des observateurs partout où l'opération de ramassage des armes se fera. S'il y a une opération à Mindouli, il y aura des témoins, il y aura des observateurs du CNR, du gouvernement, du comité de suivi nous-mêmes pour que ce qui s'est passé par le passé ne se reproduise pas. Alors, je voulais souhaiter, révérend, que maintenant que nous avons dit ce que nous avons dit, que le message va être porté à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que la prochaine étape soit celle que nous avons évoquée là-bas, à savoir que les spécialistes désignés par chaque parti travailleront avec Monsieur Bandelier pour préparer les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de tout ça. Et nous espérons qu'en ce moment-là, tous les détails, tous les problèmes que nous avons en particulier qui n'ont pas été réglés, seront réglés. Et je voudrais aussi souhaiter que, même lorsque M. Bandelier sera venu, même lorsque les experts seront venus, votre message auprès du président de la République se traite à l'occasion d'une audience que vous pourrez avoir avec le président de la République.
entre vous, bien sûr. Les experts iront pour préparer ce genre de rencontre. Mais c'est nécessaire pour que ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne dit pas, les choses que les uns et les autres ont pu dire sans les comprendre, sans les percevoir, que tout ce qui est dans l'ombre, tous les écueils, soient balayés pour qu'on arrive à une solution bonne dans l'intérêt de notre pays et dans l'intérêt de la paix. Parce qu'effectivement, je crois que c'est toi, il y a je ne sais pas combien d'années, qui disait, si vous voulez faire le chemin ensemble, il faut vous mettre d'accord pour que ce cheminement se passe. Alors, je voudrais, pour ne pas traîner à longueur parce que nous avons le temps, souhaiter qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit les experts de Brazzaville, que ce soit les vôtres, que ce soit M. Bandelier et d'autres, qu'ils aient la porte ouverte ici, qu'ils aient la porte ouverte à Brazzaville pour travailler en permanence pour que nous avancions dans le chemin de la paix. En tout cas, pour ma part, je suis heureux que l'ambassadeur du Gabon soit venu. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous devons le soutenir dans son travail pour qu'il réussisse à nous aider à faire que la paix soit effective. Alors, M. Bandelier, pour terminer, je voudrais vous suggérer ceci. Ces pièces-là sont à vous. C'est à vous. Ni l'armée, ni le CNR ne les prendront plus. C'est à vous. Vous faites comme vous voulez. Si vous devez trouver un râtelier pour les garder, pour les protéger, c'est à vous. Et nous souhaitons que, tout le long, il soit toujours possible que ceux qui ont pris les armes ne les retrouvent pas par votre intermédiaire, parce que nous savons que l'OIM a fait que les armes se retrouvent chez les adversaires du révérend pasteur. Je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la prudence est devenue de règle. Alors, révérend pasteur, je voudrais une fois de plus te remercier très sincèrement pour tout ce que tu as fait et souhaiter que demain, après-demain, les équipes que tu as souhaitées viennent pour que le travail se fasse. Bon, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment on dit merci en l'arrêt. Bon. On applaudit quand même, puisque... Je veux seulement éclairer une chose, c'est-à-dire les équipes qui viendront travailler ne vont pas travailler avec M. Jacob Bandelier. Nous devrons d'abord finir de travailler et c'est nous deux, les deux parties qui iront maintenant voir M. Jacob Bandelier. Écoutez, nous sommes déjà arrivés à tel chemin. Voilà, ok. Voilà. Ce moment-là. Merci. Si je peux me permettre de dire également un mot. Oui. Ce n'est pas moi, mais le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a été mandaté sur les fonds de l'Union Européenne pour réaliser cette opération d'urgence de réinsertion des ex-combattants. Je note qu'aujourd'hui, un premier démarrage a été signifié. Voilà. Nous sommes là pour le noter. Je note également qu'il y a des réserves que vous avez exprimées. Je note également que donc les deux parties viendront nous dire quand nos experts pourront se déployer. Voilà. Nous, en tant qu'agents techniques, nous n'avons pas de rôle politique. Évidemment, dans cette opération-là, nous sommes là en tant que techniciens pour aider au désarmement, à la démobilisation, à la réinsertion des ex-combattants du Boule. Nous sommes prêts à le faire quand le moment sera jugé favorable et quand les deux parties nous le feront savoir. En ce qui concerne le désarmement, et c'est également le cas dans la première phase du programme que nous avons mis en œuvre, les armes qui ont été ramassées ont toutes été détruites, elles ont été référencées, listées et détruites devant témoins. Et je le rappelle ici, les armes que nous collecterons dans le cadre de ce programme quand il pourra démarrer, diront exactement le même sort, devant témoins seront référencés, listés et détruits. De toute façon, moi aussi, je serai représenté là où vous allez venir. Parce que... Bien sûr, tout à fait. Donc, je dois marquer encore une fois notre disponibilité pour lancer, je dirais, les opérations techniques lorsque nous aurons le feu vert de... Ok. Bon, j'avais sûrement été perturbé, ça me paraît pas un événement sinon, puisque je me sentais déjà en insécurité, je ne peux plus venir à voir. Mais si Dieu peut nous garder, ce n'est pas un domaine que nous bénéficions. Nous formons encore des gens pour dire que nous serons les bons à nous.
l'hélicoptère. Donc on l'emmène dans l'hélicoptère de demain. Donc, avec voilà, tout le matériel. Nous prenons note de ce qui est livré ici. Voilà. Quand vous le ramenez à Brazzaville, nous faisons toujours notre commissaire de défense. Ensemble, on va prendre ces choses-là.